Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant Freedom News Network. C'est notre rendez-vous à nous sur YouTube si on parle cette belle langue de Molière à temps plein ou à temps partiel. Et vraiment, c'est ici qu'on se retrouve pour savoir tout ce qui se passe quand ça se passe et pourquoi ça se passe. Et avoir des fois des déclarations d'anciens dirigeants politiques comme Lec Valesa, qui était ce fameux dirigeant... Euh, un syndical qui a initié la révolution en Pologne, qui a fait tomber le régime communiste, Lech Walesa, qui est devenu le président par la suite de la Pologne, qui nous dit on est le 28 mars 2019, 16h34, 16 16 qu'il croit aux ovnis et nous met en garde contre une invasion d'extraterrestres. Lorsqu'un leader mondial actuel ou ancien affirme croire aux ovnis, le public s'interroge généralement sur sa santé mentale ou sur ce qu'il pourrait avoir vraiment vu ou ce qu'il pourrait vraiment savoir sur la cause des objets volants non identifiés. Imaginez-vous quand tu es président, hein, surtout comme lex Valessa, d'un pays qui était dominé par un régime communiste autoritaire tyrannique, et que tu renverses ce régime-là et que tu prends le pouvoir, tu as accès, j'imagine, à plusieurs, plusieurs filiales les filières et documents. Lorsque ce leader mondial met également en garde contre les, des invasions extraterrestres, extraterrestres potentielles catastrophiques, les oreilles et les antennes montent. C'était le cas la semaine dernière en Pologne lorsque l'ancien président polonais et chef du mouvement de solidarité Hein? Solidarnoc, tout le monde se rappelle, Lek Valescent, avait pontifié sur les ovnis, les extraterrestres et leur rôle dans la disparition potentielle de la Terre telle que nous la connaissons. On peut voir le sympathique dirigeant Lek Valescent. Il existe trois niveaux de développement intellectuel sur les autres galaxies. Nous sommes les plus bas et la civilisation supérieure vient comme un ovni et d'autres. Et regarde ce qu'ils font ici. Si nous menaçons de déstabiliser ici avec Macron, Poutine, là-bas, ils vont nous interrompre, nous couper en deux. La terre va s'effondrer, tout le monde va s'écraser. Plusieurs sources médiatiques polonaises ont rapporté un discours prononcé par Valesa devant un club civique de Krosno, une ancienne ville du sud-ouest de la Pologne. Bien que n'étant pas là pour parler des ovnis, Leck a erré en dehors du script. Comme les dirigeants mondiaux semblent faire beaucoup de choses ces jours-ci, ou semblent faire beaucoup ces choses ces jours-ci et a intégré les ovnis et les civilisations supérieures dans la conversation, bien qu'il ne semble pas avoir parlé publiquement de sa croyance en les ovnis et les extraterrestres, ses commentaires suggèrent qu'il est d'avis qu'ils sont du genre à nous observer sans ingérence. Mais c'est la théorie du zoo, mais qu'ils y, qu y aménageront s'ils en sentent le besoin. Il a ensuite averti que les actions des politiciens actuels, le président français Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine, pourraient déclencher une telle action ou une telle décision de la part d'une haute civilisation d'observateurs. Valessa estime que leur ingérence ne serait pas bienveillante et que les conséquences seraient durables. Si vous comprenez le polonais, vous pouvez regarder tout le discours. Il y a le lien, je vous laisserai le lien, s'il si y en a parmi vous qui comprenez le polonais. La civilisation supérieure peut nous tenir ainsi pendant 5000 ans. Ils enverront Adam et Ève et nous reconstruirons le monde à nouveau. Il ressort également de ces commentaires que Valessa envisage au moins la possibilité qu'une civilisation extraterrestre ait déjà interféré avec l'être humain. Les gens trouvent des choses, creusent des pierres. Ces pyramides, pas de réponse. D'où viennent-elles? L'Exvalessa, c'est-il quelque chose que nous ignorons? Bien qu'il n'y ait aucune indication qu'il ait lui-même eu une rencontre avec un ovni ou un extraterrestre, la Pologne en a eu un certain nombre. Le plus célèbre est l'incident dit d'1905 ou d'1905 en 1978, lorsqu'un fermier de cette ville de l'est de la Pologne aurait rencontré des extraterrestres à la peau olive. L'ont amené à bord de leur navire. Le chercheur et auteur polonais sur les ovnis Piotr Sielebias a déclaré qu'il avait été rapporté à maintes reprises que des pilotes militaires avaient rencontré des extraterrestres jusqu'à l'adhésion de la Pologne à l'OTAN en 1999. Comme Valessa était président de décembre 1990 à décembre 1995, il était sans doute au courant. Pourquoi Lec a-t-il ressenti le besoin de parler maintenant des ovnis et des invasions d'extraterrestres? Que sait-il vraiment? On sait que tous ces gens-là, hein, pas bien, Lech a été président, comme on nous le dit ici, de la Pologne, de 90 à 95, et qu'il y a eu beaucoup de cas de. le plus célèbre, hein, en 1978. vraiment très intrigant. Et on en parle dans un autre aussi. Euh, chez Mary Grayley News, on nous en parle aussi de l'ancien président de la Pologne qui a surpris son auditoire lors d'un discours récent quand il a commencé à pontifier les ovnis et à expliquer le déroulement éventuel d'une invasion extraterrestre. Wow. Valessa a déclaré qu'il existe trois niveaux de développement intellectuel dans les autres galaxies et malheureusement l'espèce humaine occupe le niveau le plus bas. Wow. Et selon son scénario, on pourrait retourner 5000 ans en arrière s'il décidait à nous donner une petite leçon. Valessa a poursuivi en affirmant que des situations similaires avaient peut-être déjà eu lieu sur Terre, déclarant qu'il... Disent qu'il y avait une civilisation comme la nôtre et que la même erreur avait été commise. Il a cité divers mystères archéologiques, comme par exemple, comme exemple d'une race humaine avancée, potentielle, qui avait été éliminée dans un passé lointain. Différentes choses sont trouvées quand on creuse dans la pierre. Même les pyramides t il nous ne savons pas d'où elles viennent. Donc, assez intéressant, assez fascinant, mais quand même inquiétant. Est-ce que cet homme-là est devenu sénile ou il sait des choses que les autres savent mais ne veulent pas nous dire et que M. Valessa aurait pris un petit coup de vodka polonaise de trop et qu'il s'est mis à parler un peu trop? Toutes des possibilités. Il faut quand même garder en tête.